Bonjour, l'immobilier vous intéresse? Mais quel réseau immobilier choisir? Vous entrez nouvellement dans le métier de l'immobilier et vous souhaitez vous spécialiser en tant que consultant en immobilier. Il est donc primordial de bien choisir quel réseau immobilier intégrer. Alors sachez que vous êtes un nouveau-né dans un monde trop vieux. Eh oui. En effet, si en 2002, le choix d'un réseau immobilier était simple puisqu'il n'y en avait qu'un, aujourd'hui, vouloir devenir négociateur immobilier indépendant au sein de ce type de structure relève d'un vrai parcours du combattant. Bon, ne vous en faites pas, car vous avez désormais quelqu'un sur qui compter. Oui, j'aide les débutants et nouveaux agents à choisir le réseau immobilier pour générer rapidement un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Bon, je vais vous dévoiler les principes de base pour réussir. Le choix de son réseau immobilier. Ou bien, vous pouvez prendre gratuitement rendez-vous avec moi pour un coaching d'1 heure gratuit en suivant le lien qui se trouve sous la vidéo, si vous ne voulez pas écouter la suite. Orientez-vous vers ce qui vous convient le mieux. Avant toute chose, il est plus qu'important de savoir ce qu'on veut faire exactement. Car à lire les offres de réseaux immobiliers qui pullulent sur Internet, on a plutôt l'impression d'être confronté à un choix d'offres de téléphonie mobile ou de chaîne de télévision à péage, plutôt qu'à celui d'une entreprise avec laquelle une collaboration professionnelle pourrait être envisagée. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire exactement, il sera plus facile pour vous de choisir le réseau immobilier qui vous y conduira ou alors qui vous offre les possibilités d'y parvenir. C'est comme pour faire un voyage. Vous choisissez la destination, ensuite le moyen de transport pour vous y emmener, mais pas l'inverse. Alors, un accent n'est pas mis sur la maîtrise de ses objectifs dès le départ. On risque sans doute d'essayer une panoplie de réseaux immobiliers avant de tomber au hasard sur ce qui nous convient à exactement, ou même ne jamais en trouver, et finalement, abandonner. Alors je le dis parce que ce fut mon cas, hein. À mes débuts dans le métier, en effet, il y a de cela 8 ans, pour choisir mon réseau immobilier, j'ai répondu à une annonce dans un réseau qui recrutait, hein. Bon, n'ayant aucune idée de quoi il était réellement question, je pensais être dans un superbe réseau qui allait m'apprendre un métier d'agent immobilier. C'est ce que je voulais. Bon, je n'avais en fait aucune idée de ce que je voulais faire exactement parce que je ne me connaissais pas du tout le métier de prestataire de service, d'agent immobilier. Et encore moins de prestataire de service. L'opportunité pour moi était d'avoir trouvé quelqu'un pour qui je puisse travailler et sortir du chômage. Dans un premier temps, c'est ça qui importait. Alors, je n'avais pas mesuré toutes les conséquences que devenir agent immobilier mandataire impliquait. Cela, cependant, j'ai pas mal parcouru de réseaux, hein, avant de trouver celui qui me convienne, qui pour moi est le plus professionnel. Du moins en fonction de ce que j'ai vu, car je ne les connais pas tous, il y en a tellement. Par contre, vous avez la chance, car grâce à mon coaching, vous allez très certainement faire un choix efficace pour votre métier d'agent immobilier. Ainsi, vous allez
Ainsi, pour savoir exactement ce que vous voulez faire, ben vous devez quand même avant tout vous interroger vous-même. Je ne peux pas, personne ne peut le faire à votre place. Ça, c'est enfoui en vous. Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. Répondre à quoi? Ben, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour le choix de son réseau immobilier? C'est là. Et mon rôle en tant que coach, mon rôle, eh ben, de vous amener à extraire en vous ce que vous voulez réellement et non de vous proposer une liste de ce que je juge être bon pour vous, pour que vous en fassiez le choix. Pas ça. Ceci dit, toute personne a une valeur intrinsèque. Hein? Alors, je vais vous aider à découvrir la vôtre. Et c'est cela qui vous orientera sur le choix du réseau immobilier parfait pour vous. Pas pour moi, le vôtre pour vous. Bon, vous devrez alors répondre aux questions suivantes. Et oui, il faut vous les poser ces questions, c'est très important. Par exemple, je veux être salarié ou à mon compte? Je veux travailler en étant guidé par une agence ou je veux être autonome? Je veux un réseau connu? Je veux un réseau avec beaucoup d'adhérents? Je veux gagner un maximum d'argent? Eh bien, c'est là. Hein? Je veux 100% des comptes? Je veux un complément financier? Je ne veux pas y passer toutes mes journées à faire agent immobilier. C'est juste pour avoir un petit complément. Ça, c'est bien aussi si on est à la retraite. Ou alors, je veux un réseau identique à celui d'une personne que je connais. Une personne qui est dans mon secteur, sous mon secteur, pas loin de chez moi. Je veux une formation poussière qui m'accompagnera dans le monde, dans mon travail. Ou alors encore, je ne veux pas avoir à rendre de compte à quelqu'un. Pourquoi pas? Ou bien je veux dépendre du réseau que j'ai choisi. Pas comme on impose un, par exemple. Ou je veux faire de la vente ainsi que de la location ou du professionnel. Ou je veux un réseau international, comme ça je peux voyager dans le monde. Je ne veux pas une cotisation trop élevée. Ou le réseau, je veux le réseau le moins cher et le plus efficace. Ça, je crois qu'on le veut tous. Hein. Par expérience, toute personne définit ses objectifs en parcourant cette liste de questions qui, croyez-moi, est loin d'être exhaustive. Vous aurez vos propres questions, vous aussi. Et une fois que ces questions vous ont permis d'avoir une idée claire, en jeu de mots, de ce que vous voulez, il ne reste plus qu'à savoir où trouver votre réseau immobilier. Alors, où le trouver, ce réseau immobilier? Trouver son réseau immobilier, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site meilleurreseau.com. Là, vous avez tous les réseaux avec les détails sur leur fonctionnement, leur prix, leur commission, leur classement, leur nombre d'adhérents et bien d'autres informations. Ainsi, vous pouvez parcourir uniquement ceux qui correspondent à vos critères et sélectionner uniquement celui qui correspond exactement à vos objectifs. C'est une façon. Ou, vous prenez un rendez-vous gratuit avec moi pour un coaching d'une heure gratuit. Et puis, je vous orienterai sur la bonne vague. Et oui, celle qui vous mènera tout droit à votre réussite. La réussite d'un agent immobilier qui génère un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Alors, à bientôt.